の巨人に勝てないと。バカなことだと。なんで俺を引き戻した。オールマイトよりも見つけたすごい人だったんだ。おいおいおいおい、俺が仕留める。Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui on va dévoiler les secrets du personnage principal de My Hero Academia, Midoriya. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses très intéressantes qui se cachent derrière l'apprenti héros de Yue. Mais avant de commencer, je tiens à rassurer nos amis qui ne regardent que l'animé. Dans cette vidéo, je ne spoilerai aucun événement du manga. Je ne parlerai donc pas de la façon dont Ochako va obtenir son diplôme, ni du fait que Midoriya et Bakugo ont été infectés par un alter qui change de sexe. Rassurez-vous, avec moi, les secrets du manga sont bien gardés. Bon, on va commencer par les bases. Midoriya a 14 ans lors de sa première rencontre avec All Might. Il est du signe astrologique Cancer puisqu'il est né un 15 juillet, comme un autre personnage de My Hero Academia avec lequel il a pas mal de points communs. Vous voyez de qui je parle ? Il est blond, toujours souriant, il peut traverser la matière. J'ai nommé Mirio Togata. N'empêche, je trouve que c'est quand même rigolo de se dire qu'il y a 365 jours dans l'année et que l'auteur a décidé que deux personnages si proches aient la même date d'anniversaire. Et petite anecdote bonus au passage, Mirio et Midoriya partagent également leur anniversaire avec Ichigo Kurosaki du manga Bleach. Le nom Midoriya est composé de deux kanji. Le premier, Midori, veut dire vert, ce qui correspond à sa couleur de cheveux. Le deuxième, Ya, signifie vallée. En gros, Midoriya, ça veut littéralement dire vallée verte. Pour son prénom, Izuku, lui aussi est composé de deux kanji. Le premier Izu qui a plusieurs significations, alors ça peut aller de payer, prendre part, sortir ou envoyer, mais le plus intéressant c'est le second, Ku. Ce dernier veut dire longtemps, mais c'est surtout une des prononciations possibles du chiffre 9. Or, il se trouve qu'Izuku est le 9e détenteur du One for All. Alors on pourrait croire que c'est une coïncidence, sauf que son 8e détenteur, à savoir All Might, s'appelle en vérité Toshinori Yagi, et que le kanji Ya dans son nom signifie 8. Pareil, son mentor, qui est la 7e personne à avoir eu le One for All, s'appelle Nana Shimura, et le kanji Nana veut dire, devinez quoi, 7. Et pour en finir avec les kanji, on va s'attarder 2 secondes sur le pseudo que Bakugo a donné à Midoriya, à savoir Deku. Comme c'est dit à plusieurs reprises dans l'œuvre, cela signifie bon à rien. En fait, Deku est l'abréviation de Deku Nobo. Et c'est vrai que pour nous qui sommes pas japonais, ça peut nous paraître un petit peu étrange de choisir comme nom de héros bon à rien. Mais en fait, si Midoriya a décidé de garder Deku comme nom de héros, c'est parce qu'en réalité, c'est également l'abréviation d'un autre mot japonais, Dekiru. Ce dernier est un verbe exprimant que l'on est capable de faire quelque chose. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça extrêmement amusant de me dire que, grossièrement, le mot capable et incapable ont la même abréviation en japonais. Bon, maintenant que vous avez supporté un petit cours de japonais, on va s'attaquer à quelque chose de plus croustillant, les ébauches du personnage. Vous êtes peut-être déjà au courant, mais le meilleur moyen pour une personne de devenir mangaka, c'est d'envoyer un one-shot, c'est-à-dire un manga d'une quarantaine de pages, à un éditeur dans lequel il va présenter une œuvre. Okidoki. Et si jamais la maison d'édition trouve qu'il a du talent, il est publié et on lui propose même d'écrire son propre manga. Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, a commencé de cette façon, et un des one-shots qu'il a écrit s'appelait, je vous le donne en mille, My Hero. C'est ici qu'on peut profiter de la première version de Midoriya. À l'époque, il s'appelait Mikumo Akatani. Il était plus vieux et avait un physique un petit peu différent. Et d'ailleurs, il y a plein de similitudes entre l'épisode pilote de My Hero Academia et ce one-shot. Dans le one-shot, Mikumo n'a pas d'alter et se contente d'utiliser ce qu'il a sous la main comme arme pour compenser. Et pour le reste, on reprend un petit peu l'histoire du premier épisode, avec un méchant qui fait prisonnier quelqu'un, et le personnage principal qui tente de le sauver. Sauf que le prisonnier, au lieu que ce soit Bakugo, un élève de la classe du personnage principal, c'est ici un héros qui est sauvé. Mais bien entendu, dans un one-shot, l'histoire n'est pas très développée. Faut dire qu'en 40 pages, tu peux pas aller aussi loin que dans un manga de plusieurs centaines de chapitres. Et faut avouer que faire briller un personnage sans alter dans un monde où un tas de gens ont des pouvoirs, eh ben, ça paraissait compliqué. Et l'éditeur a très vite compris qu'un personnage sans alter ne tiendrait pas la route sur du long terme. Il a donc suggéré à l'auteur qu'il récupère un alter dans l'épisode pilote afin de ne pas perdre son importance au fil des chapitres. Et c'est de là qu'est venue l'idée du One for All, et par extension du All for One, ainsi que de l'école des héros. Comme quoi parfois, une histoire ça tient vraiment à peu de choses. On peut également trouver des ébauches du personnage de Midoriya, avant son aspect définitif. Ce dernier avait les cheveux un petit peu plus longs et avait une frange qui cachait un de ses yeux. Et le costume que Horikoshi lui avait fait,
était bien plus menaçant que celui qu'il va avoir au début de l'aventure. Mais l'auteur n'était pas satisfait du personnage principal, notamment de ses cheveux, et a donc décidé de les raccourcir, comme ils sont actuellement dans le manga. Dans le premier sondage de popularité, Midoriya est arrivé à la première place, mais s'est vite fait rattraper par Bakugo dans les deux autres, qui lui a shippé la première place, le reléguant à la seconde. Bon, je vous avouerai que personnellement, Bakugo, même si c'est un personnage assez profond, et que je suis sûr qu'il a un bon fond, je le trouve tellement antipathique que je le mettrai carrément pas dans mon top 5. D'ailleurs à ce sujet-là, n'hésitez pas à aller dans la zone commentaire me dire quel est votre top 5 des personnages que vous préférez dans My Hero Academia. J'ai hâte de voir quel nom va ressortir. Le plat préféré de Midoriya est le Katsudon. Pour simplifier, il s'agit d'un plat typique japonais composé d'un bol de riz chaud, une tranche de porc pané et d'un œuf battu. Comme vous le savez, le fait que l'alter One for All peut se transmettre est quelque chose qui doit rester secret. Pourtant, les alters de chacun sont connus de tous. Les explosions pour Bakugo, le froid et le chaud pour Shoto, des testicules sur le crâne pour Minoru, ou encore la création d'objets de Momo quand elle montre ses boobs, tout est rendu public. Et ben pour ce qui est de l'alter d'Izuku, elle est enregistrée sous l'appellation Super Power dans les archives publiques. Et c'est vrai que dans l'idée, ça correspond bien à l'alter de One for All. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant des deux Siyu qu'a eu Midoriya, puisqu'il y en a un qu'on connaît tous, et un deuxième qui s'est occupé des flashbacks quand Midoriya est enfant. Cette dernière s'appelle Akeno Watanabe, et est également la Siyu de Midnight dans My Hero Academia. Quant au Siyu principal, il s'appelle Daiki Yamashita, et désolé si je le prononce mal. Et dans les doublages notables qu'il a fait, il s'est occupé de la voix de Magire Kakuremino dans Boruto, ainsi que celle de Narancia Girga dans Jojo Bizarre Aventure. Et je pense qu'avec ça, j'ai fait le tour des secrets du personnage de Midoriya, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu ainsi qu'à partager cette vidéo. N'hésitez pas également en commentaire à me donner votre avis sur tout ça, ainsi peut-être que vous aussi me donnez des détails croustillants que j'aurais peut-être ratés. N'hésitez pas non plus à visiter mon lien YouTube, ça me fait toujours plaisir. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss !